Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool ou Mike, et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 1 chapitre 4. Alors avant de vous présenter ce glitch d'XP, je vous demanderai juste de vous connecter une fois tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitches d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours, le code sera en description en commentaire épinglé. Alors le code du glitch que je vais vous présenter aujourd'hui c'est le 01107304578. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera aussi en description en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et par la même occasion, pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Alors par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc là, on va attendre que la map se charge. Quand la map est chargée, vous maintenez triangle pour lancer la partie. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner plus d'XP. Donc si vous êtes pressé et que vous n'avez pas 10 minutes devant vous, ben vous n'attendez pas et vous faites le glitch directement. Ou sinon, ben, vous attendez 10 minutes et vous gagnerez plus d'XP. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai attendu 10 minutes. Donc là, je vais vous présenter le glitch. Première chose, c'est que vous allez prendre un cramponneur, voilà. Ensuite, vous allez dans la map. Et là, il y a plusieurs glitches. Alors, le premier glitch que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Hop. Non, c'est celui au bout. Vous voyez là où il y a le carré bleu, enfin le rectangle bleu. Il va falloir construire au-dessus pour aller sur le carré bleu. Alors, faites attention parce que si vous ne construisez pas bien ou que vous passez entre les chapeaux que je vais vous montrer, ça peut vous faire respawn, donc évitez de toucher le carré bleu parce que sinon vous allez réapparaître. Donc vous construisez ici, ensuite vous faites des chapeaux, vous sautez dessus, hop, comme ceci. Ensuite là vous allez créer une rampe, comme ceci. Donc là, hop, vous créez une rampe, 2, 3, 4 rampes, ensuite 1, 2, 3, 4 plats, ensuite une rampe et vous mettez bien au milieu de la rampe et vous avancez tout droit. Là, ça va vous téléporter dans un emplacement. Ensuite, vous descendez ici, vous passez sur le lit juste ici, vous allez encore à gauche, et là, il y a un bouton XP. Voilà, Secret Room XP. Vous interagissez avec. Ah, je suis bloqué, quoi. Ok. Hop. Vous interagissez avec, et là, ça va vous donner de l'XP. Alors, le deuxième glitch, c'est ici, près des rampes. Donc là, il y a Secret Vault. Pas les rampes de gauche, mais les rampes de droite. Vous allez juste ici et sur la rampe de droite encore, vous allez construire une rampe, deux rampes, trois rampes, quatre rampes, cinq rampes, 6, 7, 8, 9, 10 rampes. Et là, normalement, il devrait y avoir un bouton d'XP. Voilà, juste ici en haut à gauche, nouveau bouton d'XP. Alors ensuite, le prochain que je vais vous présenter, c'est là-bas. Donc hop, on va s'y rendre. Alors là, il va falloir rejoindre l'accélérateur. Donc vous allez près de l'accélérateur. Et là, vous allez calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés. Ensuite, de l'accélérateur. Hein. Ensuite, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rampes. Ensuite, 1, 2, 3 plats sur la gauche. Et là, vous avancez tout droit. Non. Faut pas avancer tout droit, il y a un bouton d'XP normalement. Ouais, là ici il y a un bouton d'XP au bout de la troisième rampe. Vous interagissez avec. Ça va vous donner encore de l'XP. Alors le prochain, c'est celui-ci en plein milieu. Ce que vous allez faire, c'est créer une rampe pour remonter tout en haut. Ouais, tout en haut comme ça, comme moi j'ai fait. Hein. Donc là je remonte tout en haut et je vous montre ce que vous allez devoir faire. Ok. Donc là, vous allez devoir rejoindre le coin qui est juste ici. Vous voyez le coin? Donc là, il y a les réacteurs et là, il y a un coin. Je veux dire le coin inférieur droite. Voilà, juste ici. Inférieur gauche. Là, on peut voir qu'il y a une petite image, les boutons. Et là, ce que vous allez faire, c'est créer une rampe à partir de là, mais vers le bas.
Et vous vous placez bien au milieu. Et vous faites 1, 2, 3, 4, 5 rampes. Et au bout de la cinquième rampe, si vous vous placez bien au milieu, ça va vous TP ici. Donc là, avec votre cramponneur, vous allez monter jusqu'en haut. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Enfin, je sais pas si ça passe. Ouais, si ça passe. Hop. Montez jusqu'en haut. Et ensuite, vous sautez sur le dernier échafaudage. Enfin, la dernière lumière, quoi. Juste ici. Et là, normalement, vous avez un bouton d'XP dans le coin. Hop. Vous interagissez avec. Boum. Vous allez gagner de l'XP. Alors, ensuite. Ensuite. Je vais vous présenter. Là, je vous ai tout présenté de ce côté-là. Ouais. Et là, maintenant, vous allez venir près des véhicules. Là, il y a un pad d'accélérateur. Vous allez construire 1, 2, 3, 4, 5 rampes. Ensuite, 1, 2, 3, 4 plats. Et là, vous avez vu, quand vous êtes au milieu du quatrième plat, ça vous téléporte. Alors ici, vous allez rentrer par ici, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ensuite, vous descendez. Vous descendez. Et là, normalement, il devrait y avoir un bouton d'XP. Alors, je ne sais plus trop où il est. Peut-être de ce côté-là. Ah oui, il est là. Je l'ai vu. Bah. Ah non, ça c'est pour ouvrir la porte. Ok. Ah, il est là. Il est derrière les caisses. Juste en dessous de l'escalier, derrière les caisses. Secret Room XP, vous interagissez avec. Boum. Ensuite, le dernier glitch. Il va falloir utiliser un véhicule. Vous prenez le camion. Ensuite, vous roulez avec. Et là, vous allez droit devant. Dans le carré bleu. Enfin, dans le rectangle bleu. Donc, obligé, il faut prendre un camion. Parce que les autres véhicules, bah, vous n'allez pas y arriver sinon. Parce qu'il faut monter en hauteur. Donc là, vous mettez bien le véhicule à côté du mot respawn dans le coin. Vous montez. Et normalement, il y a un bouton secret XP. Donc, vous montez sur le véhicule juste ici. Et vous interagissez avec. Et là, ça va vous donner encore de l'XP. Et là, je pense que je vous ai tout présenté. Alors, je ne sais pas niveau combien j'étais quand j'ai commencé. Je vais regarder. Donc, je vais couper la vidéo. Et je vais regarder à combien d'XP j'ai, niveau combien j'ai commencé la vidéo. Ok, donc j'ai commencé la vidéo. J'étais niveau 6. Là, je suis niveau 10. Fin du 10, quasi. Donc, j'ai presque, ouais, j'ai presque pris 5 niveaux. Donc, 8, 16, 24. 200 000 XP. J'ai presque pris 200 000. Non, 400 000, excusez-moi, j'ai presque pris 400 000 XP en un seul glitch en 10 minutes, donc c'est plutôt rentable. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.